pourquoi Agrigaitik est né, c'est que mes patrons, mes agriculteurs ont cru en cette démarche dès le départ. Elle est née en juin 2013. Je vais vous donner quelques chiffres. Aujourd'hui, on a passé le cap des 1000 agriculteurs, alors toujours sur un maillage territorial. L'objectif à chaque fois, sur l'ensemble du territoire français, c'est d'avoir des agriculteurs qui fonctionnent avec un meunier en local qui lui-même va livrer sa farine auprès de boulangers, je dirais, de proximité. Christophe Dallière, en agriculture de conservation depuis 10 ans. Alors pourquoi j'ai choisi Agrigaitik? C'est hyper important de ne pas se sentir seul dans son coin à travailler pour un marché mondial non cadré, non développé, complètement ouvert. Là, on peut se sentir entouré et appuyé à la fois par des techniciens et par le client final qui est pour nous la minoterie et ensuite le boulanger. Gilles Josselin, je suis grainetier. En fait, mon boulot, c'est quoi? J'ai en fait deux métiers. Je commence par soigner les plantes parce que les plantes tombent malades, les plantes contre culture comme vous avez ici. On a des maladies, effectivement, qui bloquent la photosynthèse. Et pour faire du grain de blé de bonne qualité, il faut effectivement qu'il soit nourri. On recherche des variétés très résistantes aux maladies de façon à employer le moins possible de pesticides. Mon deuxième métier, c'est de sélectionner les variétés en fonction du terroir de chaque agriculteur et en fonction de ça, de repérer les qualités boulangère des céréales. Donc on adapte les variétés de blé pour faire effectivement du blé dit meunier, pour faire cette nouvelle filière agriétique qui va permettre justement d'avoir des blés qui correspondent aux besoins des boulangers, c'est-à-dire une farine régulière et avec des blés de qualité. Je m'appelle Pierre Trottin, je suis le président directeur général de la minoterie Trottin S.A. associé avec mon frère. Notre savoir-faire est tout simplement une passion. Donc ce qui se passe chez la minoterie Trottin, c'est qu'on travaille énormément avec la proximité, d'où l'engagement d'Agrigaitik. On a 9 cellules de produits finis, ça nous permet de bien séparer les lots. Le moulin écrase environ 2,5 tonnes de blé à l'heure, ce qui produit presque 2 tonnes de farine. Il tourne 24 heures sur 24, sauf le dimanche, voilà. Donc on écrase 60 tonnes de blé 24 heures. Je m'appelle Clément Trottin, je suis commercial à la minoterie. Nous allons rentrer cette année dans une filière agriétique à partir de septembre après les moussons cette année. Georges Trottin, directeur général de la minoterie éponyme, basée à Ivry-l'Évêque. Nous exploitons la minoterie depuis 1908. Nous avons réfléchi posément à nous engager dans une démarche éthique et nous nous sommes rapprochés d'Agrigaitik de façon à pouvoir proposer à nos producteurs de blé des prix de céréales cohérents. C'est-à-dire que nos producteurs de blé savent quel prix ils vont récolter, vendre leur blé les 3 prochaines années. Je m'appelle Sylvie de Bellemanière. J'ai créé une boulangerie dans le 1er arrondissement de Paris, au pied des Halles. Un concept où j'ai élaboré une centaine de sortes de pains et où je vends mon pain à la tranche. Je ne travaille que des farines bio, des levains naturels et du sel de Guérande, chez un petit producteur. Très attachée aux personnes qui travaillent en collaboration, les fermiers, les agriculteurs, enfin des circuits courts. Aujourd'hui, je suis heureuse de me retrouver dans ces champs de blé parce que j'ai envie de valoriser notre terroir, nos traditions et nos valeurs.